Wesh mes couillasses, alors avant de commencer le vlog en lui-même, j'ai envie de faire un petit clin d'œil. Ah, on est actuellement le 8 mai, donc avant même de commencer d'arriver à Lille et de commencer ce vlog sur le show WWE Live Event, je tiens à, voilà, on est le 8 mai, et le 8 mai donc ça célèbre la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la défaite de Hitler et tout le bordel, t'as vu? Et bah voilà, j'aimerais juste montrer un truc qui fait que voilà, on est quand même content d'avoir... de ne pas être tombé sous une nazie, hein. Quand on voit ce genre de trucs qu'on a pu sauvegarder, c'est voilà. Voilà. Hein. Il y a quand même des choses sympas en France. Hein. Malgré que je suis pas trop Paris, il y a certains coins sympas, comme celui-là. Voilà. Salut mes couillages, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour le vlog du show WWE Live Event de Lille. Je suis actuellement dans le TGV, wagon bar, je vais pas tarder à partir, donc on pose pendant qu'il n'y a pas du monde, tranquille. Donc voilà, je fais un petit sommaire de ce qui devrait arriver, on verra que la façon dont ça se passe. Donc nous sommes le samedi 8 mai, le lundi 8 mai, pardon. Je me rends actuellement à Lille et je devrais arriver là-bas à 16h45. Là il est 15h40. Ensuite là-bas je retrouve Jasmine, Didi et Enzo. On va essayer de choper un ou deux fans là-bas, si c'est possible de les contacter et puis d'aller faire un petit peu le con jusqu'à la fin de la journée. Oui, ma couille. La calotte de démarrage. Monsieur, vous êtes bien à bord du TGV 7559 à destination de Ventilly vers Tourbeck. Le départ de notre TGV imminent. Attention à la fermeture automatique des portes. Attention au départ. Oh mon slim. Bon, merci. Donc jusqu'à la fin de la journée. Ça m'a tué, merde. Ça m'a cassé cette saloperie. De faire le con. Demain, le rendez-vous donc à midi avec les éventuels fans qui pourront être là. Ensuite, l'after à 17h, le show à 21h, à 20h, et ensuite l'after jusqu'à normalement 1h du mat. Voilà. Donc, excusez-moi. Je vous en prie, pas de soucis. C'est moi qui emmerde tout le monde avec ma caméra. L'autre il vlog dans le wagon bar, il a que ça à foutre aussi, je suis vraiment au cas social. Donc voilà à peu près la façon dont ça devrait se dérouler. Après on se doute que ça se déroule jamais, oui je suis obligé de me mettre comme ça pour être bien cadré, putain. Ça se déroule jamais de la façon dont on espère. Mais voilà, j'espère avoir un bon show et surtout une bonne ambiance. Voilà, entre les fans qui encore une fois, ça devrait être soudé et on va tous s'éclater sans jaillir. Hashtag fier d'être fan de catch, vive le catch français, vive mon Rems et vive le patron Pierre Booster Fontaine. Ouais, je m'accouille. Voilà. Et j'ai la flemme de le relever pour éteindre la caméra. Putain, je suis un gros feignant. Bonjour mesdames et messieurs, ici la SNCF. Bienvenue dans le TGV qui va à Lille, Europe. Vous pouvez voir en face un train de type Thalys, qualitativement parlant de qualité, comparé au TGV où vous êtes. On remarque le wagon bar est bien. Ouais. Mais oui, mais le wagon bar est bien, mais il est fermé, donc on s'en bat les couilles. Eh, dis donc, juste une petite. Voilà, je veux pas cracher avec les gens, hein, mais les gens qui regardent cette vidéo. Eh, ce mec-là, on dirait pas trop Rocco Freddy. C'est la première fois que je suis arrivé, j'ai fait ça, putain, mais qu'est-ce que tu fous là encore? T'as des lunettes maintenant? Ce mec-là, c'est Fish qui a acheté de Jamie dans C'est pas sorcier et de Rocco Freddy. Voilà. Voilà, c'est tout. Et alors, laissez un commentaire, est-ce qu'il ressemble vraiment à Rocco Freddy? Et à Jamie de C'est pas sorcier, voilà. C'est tout. Alors, vous pouvez voir le paysage parisien magnifique alors qu'on est en train de bouger parce que tellement c'est stable cette merde. Le paysage parisien de toute beauté. Regardez-moi ces briques dégueulasses, des sales. De type dégueulasse de merde. Voilà. Donc on se rend à Lille pour le show de catch et on va s'enjailler. Et encore une fois, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur le fils spirituel de Rocco. On t'aime. Alors voilà, nous sommes donc au premier appartement donc pour la nuit d'aujourd'hui à demain. Hein. Le show, encore une fois, est demain. Et donc, nous allons passer une première soirée en mode tranquille. Tranquillement, vous voyez. Oui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est Gollum. Ouais. Gollum, ça va ma couille? Ouais, ma couille. Est-ce que tu peux me faire un... Ah. On va gagner. On va gagner la chatte à Mireille. Oh pardon. Merde. Tu dois porter un peu trop vite là, Jojo.
Oui. Oui. Ça va? Oui, et toi? On va gagner? Ouais. Ferme ta gueule! On va quand même gagner! Ouais! Fais rien du tout! Oh ouais, ah ouais, beau gosse! On a gagné! Bonjour. Bonjour et bienvenue dans Chasse et Pêche. Aujourd'hui, nous avons découvert une nouvelle espèce de mammifère. Attendez. C'est quoi? Spécialité de mammifère en train de s'accoupler? Comprenez-vous cette. Alors, laissez des commentaires en disant, à votre avis, quelle espèce de mammifère est-ce là? Entre le singe et l'homme. Ah, il y a Simon du catch. Aurions-nous affaire au bonobo en personne? C'est pour nous ça? Oui, bah oui. Attends un peu, mais. Oh putain. Ça va? Tu vois? Salut. 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 C'est bien? La joie. Wesh. Bien? Ça va, et toi? En fait, je fais sur les madeleines, tu vois. On a gagné! De la dalle? Non, on a mangé des chips. Servez-vous quand même. Ah non, merci. Nickel. T'as fini? Cassoulet. Et comme on voit pas Cassoulet ma tête, ce soir, hein. Et comme on voit pas sur ma tête en plus profil, c'est Zo Baylor. Ouais. Ah ouais. Sans foi. Ouais. Voilà ce que donne un petit repas entre fans de catch. Il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas de manche bite, il n'y a pas de kikouri. On s'amuse, on se marre. Et j'ai peur. Moi j'ai très peur. C'est Milan qui a dit ça. Ah non, c'est descendant. En fait, ce que vous voyez là, c'est la partie. Ce que vous voyez là, c'est la partie. Il aura sa carrière dans Milan. De l'iceberg, parce que je ne peux pas montrer ce que j'en fasse de moi, mais j'ai un nom très très étrange. Oh putain. J'ai un gars face de moi. Je vous le dis, mes abonnés, il va me violer. Il va me violer. Didi. Il va me violer. J'ai vraiment un gars chelou en fait. Toute une vie. Enfin, pour dire que voilà, on se prend pas la tête et on est content d'être là. On est bien sûr. On est tranquille. Allez, vous là, est-ce qu'il y a. Il n'y a pas de manche bite. Attends, il y a une question très 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 intéressante. On n'est pas allé à KFC. Parce que McDo. Parce que le McDo c'est la base. Parce que Jean-Pierre Pernaud, voilà. Parce qu'il y a végétarien sur. Non mais je m'en fous, Mais pourquoi on n'a pas été à KFC? Il y a des bonnes glaces là-bas, les glaces Lyon là. Hop là. Parce que on aurait pu aller à Burger King. Parce que à KFC, je suis désolé, à KFC, il n'y a pas la sex machine. Cet homme va toujours. Il va violer vos âmes. Salut Hervé. S'il vous plaît, le carton là, vous en servez là. Oui, parce que je vais regarder ce qu'il y a dans ton groupe. Oui, un mot de tout, ça va être moins. Cet homme est bizarre, je vous le promets. J'ai une mauvaise nouvelle, Simon. J'ai peur. Il va me violer. Il va te violer le premier. Tu es le premier. Mesdames et messieurs, camarades de la team et personnes qui regardent mes vidéos, toi dégage. Non. Sale gueule. Voilà, t'as tout niqué là. Ah, Didi, on vient de remarquer quelque chose qui m'a grandement plu. Est-ce que vous connaissez mon expression? Merci Jasmine, je t'adore. Et bah, on a enfin, après tous ces mois de recherche, on a retrouvé. Et je vous promets que c'est pas moi qui l'ai marqué. Hein, c'est pas du moi. Du tout. L'inverse, c'est pas lui. La chatte à Mireille. C'est pas. La chatte à Mireille. C'est pas possible. Ça, dis-moi. Je sais qu'on le voit bien, là. Non. Est-ce que quelqu'un peut prendre l'appareil photo, s'il vous plaît, madame? Madame, je suis désolé. Ah, bouge. J'aimerais. C'est obligé, c'est comme une religion. Je suis obligé de twerker en face de la chatte à Mireille. C'est Valor qui twerk. Qui twerk à côté de la chatte à Mireille. Allez. Là, c'était plutôt Rocky. La chatte à Mireille. Merci, messieurs, dames. Voilà, pour les fans qui n'ont pas les moyens de s'acheter des ceintures et tout ça, sachez qu'il y a toujours le travail manuel qui peut donner de très beaux résultats. Et là, c'est un sujet sérieux parce que c'est... Non, c'est pas mal. C'est pas mal. T'as l'impression que... Mais vu comme ça, regarde, t'as l'impression que c'est genre, tu sais, les ceintures, tu sais, genre en plastique. Ouais. D'une qualité relativement pas trop dégueulasse. Et là, franchement, c'est en carton. Non, elle est belle. Hein. Non, franchement... Je savais comment j'ai galéré. Bravo. Ah ben normal. Je vois la mais toi, touche pas, tu vas la salir, cochon. Attends, j'essaie juste de la mettre.
Elle est pas mal. Lui, il va te la bouffer. The new Universal Champion, Enzo Cassos. Oui, bonjour, Jean-Marie Le Pen, je vais vous montrer un petit passage de la corde. Mais écoute-moi bien. écoute-moi bien, mon j'bite. Je fais pas, je t'ai vu. Il a la flemme, merde. Je pense que c'est quelqu'un qui fait une autre exemple. Non, là on aurait dit un épileptique qui pique sa crise, tu vois. T'as une ballerine, il fait ça, hein. Ouais, ça te fait au milieu du ring, il est comme ça. Je fais juste le geste. Le gars qui a rien compris, tu sais. Non, faut. Salut nous, quand même, voilà. Tu vois, comme ça. Encore l'épileptique qui pique sa crise, quoi. C'est bien, ma couille. Ouais. Ah, t'as filmé avant. Tu sais où tu finiras? Non. Dans les camps, non, c'est trop dans les camps direct. C'est la facile. Là, non. Allez, arrête. Attends, je veux bien faire trop vite. Allez, les manches vite. Une balance des yeux à la gueule. Là, une frappe, il se passe. Tu sais, putain, quoi. Non, mais pêche, je veux dire que bien. Jeff Hardy et tout, ils vont aller là, tu sais. Voilà. Vas-y. Ça, c'est un petit rendez-vous tranquille entre fans et. Ouais, ouais. La chute à c'est pas tous les jours. Hein. Non. C'est ça qui est bon, voilà. Là. On ne mélange pas. Attends, les torchons et les serviettes, on vous laisse entre deux. Là. Toi là, mon bite. Ce manque de respect. Ouais, ferme-la. C'est ouais. Là, c'est Shinsuke Nakamura qui s'est fait une hernie discale, quoi. Clac. Le mec, les coachs, c'est vraiment pas évident. C'est pas facile. Shinsuke, hernie discale. Voilà. Oh. Ils ont la dinde. Tu t'es niqué? Ouais, ouais. C'est bien fait pour ta gueule. Non, ça va? Non, ça va, c'est ok. On est allé, on a vu donc Stephen Hogan, le temple du catch. Mm-hmm. Et comment ils s'appellent les deux? Les deux, Guillaume et Dorian. Ceux qui ont fait leur vlog et ils étaient à WrestleMania. Mais arrête! Bah ouais! Ouais, oui, on t'appelle sur le net. On va les voir demain. Ouais, ils viennent tous. Ouais. Ça va être humide comme ça. Bam, bam, bam. Qu'est-ce que tu fais, cochon? Viens par là. On clôt cette première journée de festival WWE Universe. Live Event Family, enfin tout ce que tu veux, avec ces images. Et on vous dit à demain. Et demain, on veut. Avec le coca chéri, avec amour. Chéri, c'est et demain, on veut une grande journée. On veut un grand rassemblement. Que ce soit grand. Grand. Grand comme mon. Attends, je prends un verre parce que voilà, si on sait jamais si vous voulez boire dedans. Je... Allez, bonne nuit, mes couillasses. Ah, t'as des bras, connard. C'est bon, quoi. Comme